À l'occasion de la fête des défunts dimanche le 2 novembre, une célébration a eu lieu au monument du 1er mai pour rappeler la mémoire de tous les travailleurs qui ont laissé leur vie dans les mines d'amiante. La célébration avait été préparée par une centaine de personnes qui participaient à une session de fin de semaine au cégep de Thetford en collaboration avec l'organisme diocésain de liturgie, l'ALPEC. Le père Armand Chouinard nous donne le sens de cette célébration. Toutes les liturgies, et cet après-midi, il y aura un geste de rassemblement avec d'autres gens là-bas. Il y aura un geste de solidarité. Il y aura des gestes de communion par la participation qu'on aura. On sera ensemble. On présentera aux gens qui seront là, on se représentera une dernière fois nous-mêmes les projets que nous avons à cœur pour aujourd'hui et demain. On sait qu'on le fait dans un cadre de rupture. Parce qu'on évoque ceux qui sont morts. Puis ça nous fait mal. Mais la vie est là. On sait qu'il y a des gens qui souffrent de ce fléau-là, de l'amiantose, et qui souffrent parce qu'ils sont à l'hôpital actuellement, qui souffrent parce qu'ils sont infirmes dans la ville, qui souffrent pour toutes sortes de raisons, parce qu'ils ont de la peine. On souffre à travers les misères de l'homme d'ici, plus spécifiquement, qui, étant transmise par la radio ou par la télévision, dans d'autres villes, dans d'autres comtés, dans d'autres provinces, leur rappellent, eux autres aussi, qu'ils ont les mêmes difficultés de se tenir debout. Puis il faut qu'ils acceptent leur rupture. S'ils veulent accepter la dimension pascale, s'ils veulent être capables de célébrer. On sait que dans toutes nos liturgies, il y a des gestes qui devraient être des gestes d'acclamation, qui ne sont pas toujours acclamatifs, comme certains gestes de grève que vous avez posés lorsque vous avez poussé au bout, lorsque vous avez été mis au pied du mur. Vous avez hurlé, vous avez crié dans certaines circonstances. Ce sont des gestes d'acclamation. Des gestes de remerciement et d'action de grâce, qui sont les gestes que l'on trouve lorsque on est sorti d'un passage difficile. Comme lorsqu'on sort d'un tunnel, comme lorsqu'on sort d'une mine. Puis moi, n'oubliez pas une affaire, c'est que l'expérience des mines, je ne l'ai pas connue. Je l'ai connue une fois, il y a 2 mois. Puis moi, je ne suis pas capable d'aller d'une mine. Je suis allé, je ne sais pas par quelle force qui s'est mise en moi. J'animais un groupe dans une session ALPEC à Sudbury, en Ontario. Puis on a décidé qu'au lieu d'aller dans un parc pour faire une séance d'environnement, pour aller voir des fleurs, on irait voir un paysage qui est bouleversé 1000 fois plus que le vôtre ici. Votre écologie ici a fait un peu pitié justement à cause de tous ces produits de la terre, c'est comment tu, qui vomissent constamment sur le sol, qui est tout fait pour l'œil, la verdure et tout. Mais on sent bien que c'est au nom de la vie, c'est au nom de la solidarité, puis au nom du travail, puis au nom de l'industrie, puis au nom d'un meilleur confort, on sait tout ça. Mais c'est de même. Sudbury, c'est épouvantable. Alors moi, j'avais encouragé 150 personnes à aller vivre une expérience d'environnement dans une mine. Puis je peux vous dire qu'on a changé de chaffe d'ascenseur 3 fois, puis qu'on a descendu pendant une demi-heure. Puis je ne sais pas si vous souffrez de ça, vous autres, la claustrophobie. C'est terrible. Moi, j'ai pas grand-peur dans ma vie, mais cette peur-là, je l'ai déjà resté pris, petit gars. Puis j'ai toujours l'impression d'être pogné un peu. Alors, quand je suis sorti de là, on avait une séance de créativité. La fille, elle a fait sa créativité cette nuit. Elle a pondu son œuf. Armand s'est en allé tout seul dans son bar. Il y avait 7 ou 8 ateliers qui créaient des chansons, qui créaient des paroles nouvelles là-dessus. Et puis, je me suis en allé à mon piano tout seul, puis j'ai créé ceci, parce que j'étais extrêmement fatigué. Puis, par ailleurs, l'idée de la mort ne m'effraie pas. Parce que je sais l'expérience qu'on apprend à mourir, on ne meurt pas rien qu'une fois. Ça m'énerve pas, moi, ça. Mais j'ai peur d'être pris. Ça. Mais partir, moi, là, puis aller dans l'autre monde, dans le monde que mes parents m'ont appris, ça ne m'affole pas du tout. Je ne peux pas dire que ça me réjouit, c'est parce que probablement que je vais avoir un peu peur à un moment donné. Mais non, il me semble que, en tout cas, j'ai essayé de travailler dans ce sens-là. Voilà ce qu'il y en est sorti. C'est un chant à reprendre. Après un long repos, je surgirai de la terre. Après un long repos, je surgirai de la terre.
Le projet des villes est un projet économique. C'est un projet culturel. C'est un projet social de solidarité. Et j'ai été un visiteur de la Légion, un des représentants de la Légion. La Légion m'a libéré. Bon après-midi, mes chers amis. Et quand je dis mes chers amis, je ne parle pas que de vous, mais de tous ceux qui, au-delà de cette ville, au-delà de notre région, partout dans la province, nous ont rejoints d'une façon ou d'une autre, tout au cours de ces 7 mois de lutte, pour nous apporter, pour nous signifier de façon concrète leur solidarité, leur appui, leur participation à notre lutte. Et alors c'est pourquoi cet après-midi, nous sommes redonnés rendez-vous ici avec ceux qui déjà, depuis longtemps, ont commencé ce combat, cette lutte pour la libération des travailleurs, de la libération des opprimés, la libération de tous ceux qui doivent se battre pour gagner leur pain quotidien. Alors ces sensationnistes, dont la majorité sont ici maintenant, eh bien ont revécu, ont analysé, ont fait le bilan social, culturel, religieux de la grève. C'est-à-dire que nous avons essayé d'aller au-delà de ce qui est écrit dans une convention, de rejoindre les valeurs, de rejoindre les réalités qui ne sont pas encore découvertes, mais qui ont commencé à surgir comme des pistes d'espérance, comme des pistes pour aller plus loin encore, pour demain. Alors c'est donc ici, à cet après-midi, que nous voulons à la fois rejoindre l'hier, à la fois simuler ceux d'aujourd'hui, pour donner des pistes, des directions, un élan pour ceux qui viendront demain. Alors c'est dans ce sens que, comme chrétiens, nous voulons ce 2 novembre, eh bien, saluer tous ceux qui nous ont précédés, des mineurs de Telford, de la région et bien d'autres, qui, comme nous, comme eux, ont aussi laissé leur vie dans les vignes, dans le travail. Et nous voulons aussi, à travers nos symboles de notre vie, poser des gestes que les mineurs connaissent. Un mineur qui marche dans un tunnel, un mineur qui sort d'une mine, ça ressemble étrangement à tous nos passages difficiles, parfois nos passages à la mort. Et le chant que nous avons chanté ici cet après-midi a été inspiré dans une mine à Sudbury, quand on a des mines et un après un long repos, je surgirai de la terre. Et je reverrai mes amis dans la maison du Père éternel. Parmi les symboles qui ont une très grande force dans l'Église et par lesquels Dieu parle, il y a celui du feu qui purifie et qui brûle, du feu qui réchauffe, du feu qui éclaire. Et les mineurs savent ce que c'est que de marcher dans les ténèbres, éclairés par une bougie. Et c'est en liaison avec eux cet après-midi que cette torche qui est ici, qui est éteinte, nous avons voulu la raviver, et la raviver pour la semaine. Lumière du cierge pascal, le feu brûle à ma porte et à la porte de la ville. J'avance à travers les difficultés dans la nuit, mais je veux franchir les ténèbres dans la lumière de Jésus-Christ. Mais cette flèche de Jésus-Christ avait été brûlée par un autre feu.
le peuple de la souffrance, des hommes qui luttent ensemble pour leur libération, comme le Christ lui-même nous a libérés. Les divineurs ont fait pour nous cet après-midi le symbole des chrétiens que nous posons dans l'Église, le signe au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La croix est un symbole qui, en ces jours-ci, comme en ces mois derniers, est très fort. Mais c'est une croix qui a été dominée par la libération de Jésus-Christ. Et probablement que les mineurs de tout le pays, ceux particulièrement ici, n'ont pas été insensibles à vivre la dureté de la terre, à vivre les incompréhensions et à se battre pour se libérer. Les masques en or et les cils de la poète, c'est que
depuis quelques années, et 90% de nos revenus, de nos richesses qui appartiennent aux Américains, on a pensé que peu pour tout, Canadiens, Français, Québécois, on devrait être capable d'essayer de prendre nos affaires en main, de garder nos richesses pour nous autres, et nous autres dans les métiers, pas les étrangers.
un moment de silence en mémoire des brûleurs. Pensez particulièrement à ceux qui sont faits les plus oubliés. Priez aussi pour ceux qui le sont chers. La collaboration de tous les jours et de tous. Nous ne pouvons plus rester indifférents, remettre aux autres, remettre à des responsables seulement, à eux seulement dis-je, le travail de continuer la solidarité, la conscientisation, la réflexion. Alors mes amis, nous sommes invités, nous serons encore à d'autres circonstances pour approfondir cette réflexion. Et je m'adresse ici à tous ceux aussi qui, en dehors de Thetford, au-delà de Thetford, sont sensibles à ces préoccupations, sont sensibles à cette espérance, sont sensibles à ce combat. Donc, un programme exigeant que nous avons tracé aujourd'hui en pensant à ceux d'hier pour la relève, pour le bien-être, pour le mieux-être de ceux de demain. À demain. À plus tard, à toujours. Mais si un jour nous occupons toutes nos usines, puissant patron gouvernement,